Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur l'élevage breton. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, bon là je fais les deux vidéos, hein. Je suis accru donc c'est normal que mes feux soient toujours allumés. Parce que je ne les ai pas éteints. Ah voilà, ce que je me disais c'est bizarre. Ah mais en fait le point de spawn, le poulailler il est là. Alors on le voit mal, alors est-ce que c'est pas plutôt là-haut de base? Non, bon, il se fait là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va y prendre un peu d'engrais. Parce que sur les... Bon, pas du tout d'engrais, on va être ce mois. Et si, ce qu'on va faire avant... Non. On va faire ça... maintenant, alors... Quoi, c'est contrôle du vrai? Non, contrôle I. Ouais. Ah bah oui, mais non... Oui, ça me sort en... Ah! Allez, je comptais que ça me laisse sortir du bug. Mais non. C'est vrai. Forcément, ça me sort comme ça. Je sais pas où on va se descendre. Donc, à moi, aucune idée. Ça va pour l'instant. Ah, ça, c'est moi, ça sort pas en fonction de comment on a acheté. C'est tellement ça. Et notre petit bulbal de semences. Vous savez que moi je préfère le bulbal, c'est les mousses. Esthétiquement c'est plus joli. Ouais, je pense que là de toute façon on va acheter un seul petit bulbal d'engrais. Hop. Normalement, un ça va largement suffire. Voilà. Pas besoin d'avoir ça. Ah bah ah bah ouais non, bah, ça part du monde par contre. Donc c'est tout bon. Ok. Ah. En fait le champ d'herbe c'est pas nous en fait. Je pensais mais non pas du tout. Et pas du tout d'amis. Hop, ça c'est fait autour. Et maintenant celui-là. Je vais être aussi fait. Ok, parfait. Bon ça c'est ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas. Bon, lui on va le mettre là pour l'instant. Alors là, éventuellement on n'a rien à faire. D'ailleurs c'est pour ça que ça se met déjà tout le temps en fois 15, parce qu'il perd pas mal. Du coup, on n'a pas de blé. On n'a pas de blé, mais en vrai, j'aime bien, j'ai quand même des petits animaux. J'ai un petit... Attends, moi, c'était l'usine. Je voulais bien voir l'usine. L'usine, je pense, comme il y en a qu'une, on va se l'acheter automatiquement. Et on va se rembourser l'argent. Ça coûte, ah ouais, 75 000 euros. C'est cher. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Tac. Voilà. Ah ouais. Ah en fait une seule usine c'est bien. En fait ça c'est cool, ils ont fait une seule usine. Mais tu fais tout. Tu fais tout ce que tu fais dans les autres usines mais en une seule. Ça c'est top par contre. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ok. On peut même faire des franchises. Bon, là, on est ok. Du coup, on va faire un retour. Oh!
attendez. Stylé. Le trafic routier qu'il y a. On a un télescope. Attends, il y a un ça va. Wouah. Ah ouais. Non mais c'est quoi ce trafic de malade? Oh, c'est tellement stylé, j'avais quand jamais. Waouh, magnifique. C'est magnifique. C'est où que je voulais aller? Ah voilà, j'étais là. Un pâture. Waouh. Alors là, on peut faire de l'agneau, des brebis, des béliers, des chevaux, des chèvres, des boucs. On s'en doute que les boucs ne se reproduisent pas. Du coup, ça fait du lait de chèvre. Je pourrais vendre du lait de chèvre, idéal pour la fabrication de fromage de chèvre. Ah, mais est-ce qu'on peut faire du fromage de chèvre? C'est la question. Il me dit rien d'avoir vu du fromage. Fromage, mais ouais. Comment tu peux faire du fromage de chèvre? Manger de cuisine. Ah, c'est l'autre, c'est une ligne de chou. Comment on peut faire du fromage de chèvre? Est-ce que ça prend, attendez. Ça se trouve, ça prend un... beurre, fromage. J'espère au moins qu'il a rajouté la vente de lait de chèvre. Ah non, là, y a rien. Y a pas la vente de lait. Ou alors, c'est la vente de lait, mais basique. Peut-être. Ça fait peut-être du lait comme ça. À cause de faire du lait de chèvre. Non, mais par contre, c'est stylé. Ok. Enfin, paysan pour combat. Non, c'est quoi? Oh, c'est un moulin à eau. Oh, stylé. Non, on peut pas rentrer dedans, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir, moi. Bon, du coup. Ça, c'est bon. On a du blé pour la paille. Ouais, si, voilà, c'est ça que je voulais faire. On va s'acheter déjà un petit peu d'animaux pour commencer. Alors là, je suis obligé, je suis obligé. Les petits poussins peuvent devenir des poules adultes. Ah ouais? Je savais pas. Bah, si, je savais, mais dans le jeu, je savais pas qu'il allait devenir, on aura plus de poussins un jour. Vous voyez, comme petit canton, moi aussi, c'est un petit. Canard, 5, pareil. 5 poules. Bah, coq, il y a trop d'enfants. 5, hop. Un seul, ça suffit. Oh, stylé, on voit le canard. Oh, il est beau. Ils sont les petits poussins, les enfants. Oh, ils sont marrons. Ils courent. Ils sont petits. Oui, vraiment, c'est hyper rapide. Ça, c'est quoi? Ça, c'est encore un canard basique. Ce sont les petits canetons. Où les canetons? Je les vois pas. Si, ils sont là. Oh, ils sont miniatures. Par contre, ils sont vraiment partout. Je suis fou là, toi. Il n'y en a pas d'autres par là. Ah si, mais ils sont vraiment partout sur la ferme. En vrai. C'est... Bon, ça, c'est la pâture à vache, du coup. Et en vrai, c'est magnifique, avec des petits ruisseaux et tout. Hein. C'est propre, hein. Bon, alors, reprenons nos activités. Je vais voir qu'est-ce qu'on a en mission. Forcément, une mission. Chaînage. Qui veut des gâteaux? Une mission qui trouve vraiment que dalle. Y a pas un peu de la boire. Ce qui récolte, non. Pas de la boire, hein. Oh,
très peu de labour à faire. Et si ça que je veux faire, c'est au pire, on va peut-être commencer par faire un petit peu d'herbe. Puisque nous, on est ici, là, pour qu'on puisse acheter ça. 14 000 euros, hop. D'ailleurs, on avait une petite faucheuse. Une petite faucheuse qu'on n'a pas. La faucheuse, on va pas prendre un truc énorme, hein, forcément. J'ai jamais utilisé cette faucheuse-là. Moi, par contre, en vrai, c'est celle-là que j'adore. J'adore celle-là. Elle fait 4 mètres. Bon, on va acheter celle-là. Hein. Moi, j'aime bien cette petite faucheuse-là. En petite, quand c'est une petite map, je trouve qu'elle est pas mal. Là, ça nous permet déjà d'avoir de l'herbe. Pour le petit mouton. Bah, ou mouton, je sais pas qu'il faut aller acheter. On va voir ça juste là-bas. Ah, elle est grande en fait. J'en voyais plus que ça. Bon, c'est pas grave. Là, j'en voyais beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors. Hop, on va commencer par là. On va commencer dans l'ordre des choses. Tac. Non, je vais y dire partout. J'ai mis de l'herbe partout, ça me tue. Bon voilà, le tour est fait. C'est que une fois que je le fais le tour, je fais de ce sens-là. Et après, je suis de l'autre sens. C'est plus simple. Beaucoup plus rapide comme ça, donc le monde va tout suivre en fonction des pneus du tracteur. Donc ça suit l'alignement de l'herbe. Ça forcément, j'en oublie. Pas si vous voulez non plus. Ouais, j'en oublie beaucoup en fait. Je vais avoir un sacré passage à faire. Je vais avoir un beau petit passage à refaire. Sur l'herbe. C'est là qu'on n'en a pas énormément. Si on peut utiliser d'en gâcher, c'est vraiment top. Voilà, ça c'est fait. On va ranger ça là-dessus. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse un choix. Après, en vrai, c'est peut-être galère de faire des tout petits bottes. Le problème c'est que les machines ça nous coûte une blinde. Voilà, on fait des toutes petites et on charge dans le. Dans le 4x4, mais à mon avis, on risque d'en avoir beaucoup, je pense. Mais non, on en a trop en vrai. Je pense qu'on va vendre ça. Oh les amis. Alors ça, je m'en fous clairement, hein, dans le désert. Le petit télescope New Zealand. Je vous avoue qu'on va avoir besoin tout à l'heure de télescope.
Bon, je pense qu'on va faire un petit crédit, sachant qu'il est en cours. Buzz, il y a combien de TH7 42i. Ah ouais, il est à 109 000 euros. Bon. Là, c'est vraiment exceptionnel. Je pense pas qu'il allait y avoir quelque chose d'intéressant. Bon, les amis, on a pas le choix. On va se prendre 150. Et on s'ajoute un petit esprit qui ici. Tiens, pour ce qui est notre petite botte là, c'est pas mal ça. Bon, pour l'instant, on va le mettre là. Déjà, on a le télescope mieux. Sans le vouloir. Donc, ça, c'est bien. Du coup, moi, je vais vendre. Bah, vendre ou, la presse en, à 17 000 euros, qu'elle coûte, ok. Ah, elle a 48 000 euros. 48 000 euros, mais, ça va être un gain de temps. Après, par contre, on nous demande, à comprimer les peupliers en balles. Qui a déjà fait des peupliers en balles? Bon, pour ça, il y a un peu que j'ai loupé, là. C'est quoi des peupliers en balles? Je vois pas ce que c'est. Comment tu peux faire avoir des peupliers en balles? Alors là, il y a un truc qui me frappe. Là, ça fait des bottes de 120, et là... Attends, là, on a des bottes de 120, et là, 125. Ah, mais c'est pas la même quantité. Bon, on va essayer avec la petite qu'on a. Au pire, on a le télescope, on s'arrangera comme... Bah, avant... Est-ce que peut-être bien de donner un petit peu à manger quand même à nos volailles? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense qu'ils ont faim quand même. Je pense qu'ils ont faim. On a chaud, hop. On a jet pipe, comme ça on a notre soutane directement, on va pas s'en. Ouais, y a rien. Et là, on a nos premières petites poules, nos poussins, nos canards, nos canetons. Moi, j'aurais mis les canards. J'aurais fait un truc au niveau de la... Il y a une petite mare un peu plus haut là, même dans la peinture à vache, ça peut être tellement beau. Ah, des choses, il est pas ça là. Voilà. Allez, à la soupe. Ok, j'ai une queue là-dedans. Il est 2000. À chaque fois, en fait, je prends vachement ce côté pour être sûr de passer par le barreau, pour être sûr de passer par le barreau. Pour être sûr de passer, de pas me taper la barrière. D'ailleurs, il est sans problème. Non, ce n'est pas dérangeant. Bon bah ça c'est fait. Et nous, en fait on va pas faire du tout la place. On va surtout s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça nous donne toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.